1er novembre 1988, Travis Knight est témoin du meurtre d'un gangster texan. Le FBI décide d'assurer la protection de la famille Knight. Les membres de l'organisation du crime veulent faire parler Travis pour savoir qui est le meurtrier. Travis Knight n'a que 9 ans. Je vais la lancer. Et regarde. Ouais. Elle va chercher. Où elle est, Lucie, hein? Va chercher. Ouais, c'est bien. Je l'ai. Attrape. Oh, à toi. Ouais. Je l'ai. Oh. Allez, lance. De justesse. Vas-y. On va rester là longtemps? Un certain temps. Ah oui? Certain. Bah. Oui? Dis, quand est-ce qu'on reviendra au Texas? On ne reviendra plus, fiston. Allez. T'inquiète pas, on aura des jours meilleurs. Un peu de patience, d'accord? Oui. Bien sûr. Oui. Au fait, t'as pas de ballon de foot? Non, mes copains, ils en ont. Eh ben, je t'en achèterai un pour Noël. Super. Alors, il faudra que j'apprenne à jouer au football. Vous avez rendez-vous, George? Oh non, monsieur Knight. Pourquoi dites-vous ça? Vous regardez votre montre? Oh, non, simple geste machinal. Mm-hmm. Allez, viens, fiston. J'appelle le procureur. Allez-y. Allô? 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 La ligne a été coupée. Oui. Où est parti George? Comment ça, parti? Mais il a pris la voiture. Oh. Ne t'inquiète pas. Hein, Martha? Non, Travis, ne t'inquiète pas. Dans la cour? Non, la cuisine. D'accord.
Travis, aide ta mère à mettre la table. Mais qu'est-ce qu'il y a? Obéis, Travis. Relax. Oui, d'accord. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. De nous accorder notre pain quotidien. Merci, mon Dieu, de nous accorder cette nouvelle journée et le bonheur d'être ensemble. Laissez-moi passer! Mon fils! Désolé, monsieur, c'est trop dangereux. Franck est dehors, il va s'occuper de Travis. Du calme, restez dans cette pièce. S'il vous plaît, asseyez-vous, madame. Madame, écartez-vous de cette fenêtre.
Combien il nous reste à faire? Vous verrez bien. Merci, avec ça, je suis fixé. Bon, alors, fermez-la. Oui, monsieur Cohen, je peux vous demander un truc? Depuis qu'on est dans la voiture, vous n'arrêtez pas de poser des questions. Oui, dites-moi, pourquoi vous me cherchez des poux depuis qu'on a quitté tous les deux Houston? Parce que je ne vous aime pas. Merde. On a une longue route à faire ensemble. Vous pourrez se tutoyer et devenir amis? Une dernière fois, fermez-la. Oui, monsieur Cohen, le boulot, je l'ai fait, oui ou non? C'est un beau gâchis, imbécile. Utiliser 6 cartouches pour la femme et le FBI et qu'en 2 auraient suffi parce que monsieur est assoiffé de sang. Quelle débilité. En tout cas, on n'a pas la même conception du travail. Bouclez-la, d'accord? Pourquoi on travaille ensemble, alors? Parce qu'ils vous ont mis avec moi. J'avais pas le choix. Ce travail, je le fais seul. Depuis 30 ans, c'est la première fois que j'ai un contrat à remplir avec quelqu'un. On ne fait aucune remarque à mon âge. Dans ce secteur-là, il n'y a pas de retraite en Floride, ni de sécurité sociale, pas même de montre en or. Et puis, un jour, on est moins attentif. On se prend une balle en pleine tête avec, comme dernière vision, votre cerveau éclaté qui se balade partout sur le trottoir. Je juge peut-être trop vieux pour ce boulot, hein? Répétez ce que vous venez de dire. Mais j'ai rien dit. Tiens, notre jeune ami s'est réveillé derrière. T'as tué moi. Oui, ils sont morts. Tu vas me tuer, moi aussi? Certaines personnes de Houston veulent te parler, alors on t'amène à eux. Et ces personnes à Houston? Elles vont me tuer après? Ils veulent te parler. Est-ce qu'ils vont me tuer? Probablement que oui. Alors je vais faire tout pour pas arriver là-bas. Sale gosse, tu vois mon poing là? Un mot de travers, je t'écrase le nez doucement pour que t'entendes craquer des os. Un seul coup et je te tue. Ça suffit, on se calme. On a encore du chemin à faire. 500 bornes. Un insecte s'aplatit sur le pare-brise, j'adore ça. Imaginez sa panique. Il se balade tranquille et subitement un monstre de verre lui arrive dessus à la vitesse grand V. Vous pensiez à ça? Ouais. À l'instant? Ouais, je trouve ça bandant. Vous avez une case en moins, peut-être. La police vous attrapera tous les deux. Non, sûrement pas. Monsieur Cohen, laissez-le moi, je voulais éclater sa petite frimousse. Ça n'est pas nécessaire, Ted. Juste un petit coup. On n'a pas été payé pour l'amener en morceaux. Mais pour qu'il arrive intact. Je t'ai frappé sans marquer. Ted, conduisez. Conduisez trop vite, monsieur Ted. Je vais pas si vite, monsieur Cohen. J'accélère si vous voulez. Non, je veux que vous ralentissiez. Oui, monsieur Cohen. Ouais, je l'ai eu en plein dans le mille, ce foutu clébard. Ted, c'est le troisième animal que vous écrasez depuis Houston. Ouais, je sais, c'est un vache de bol, hein. J'adore le bruit quand il passe sous les roues. Ça fait un... Et la voiture, le hap, lâcher le déchire dans tous les sens et paf, plat comme une crêpe. Attention au camion, on est trop près.
Vous avez une cigarette ? Écoutez la radio. Alors écoutez-la. Ça vous dérange pas? Ça ne me dérange pas. Je voudrais pas vous gêner, je veux dire, c'est sûr. Hein? Allez-y. D'accord, alors je la mets. Elle veut pas se mettre en route toute seule. C'est drôle, ça. Arrivée sur les lieux du crime, la police fait état de 3 morts, d'un blessé, et d'un disparu. Pour l'instant, la police n'a que peu d'éléments, mais un rapport encore non officiel signalerait que les victimes sont 2 agents du FBI et une femme qui semble être la mère. L'enfant est porté disparu. La police pense qu'il a été kidnappé. Dans son rapport, le médecin légiste a noté que la mère était morte. Par contre, le père est en vie. La ferme ! La police espère avoir des renseignements. Il vous aura ! La ferme, je te dis ! Dans notre prochain bulletin, nous en saurons plus. Oh, ferme-la, sinon c'est cramouille ! Ralentissez. Ralentissez ! Pas la peine de se faire remarquer. Pas si vite! Merde, on a tout raté! Ralentissez! Prenez-la, prenez par là, faites ce que je vous dis. Merde! S'en débarrasser. De qui? Du gosse. Lui? Oui, je le tue vite fait, bien fait. Il est timbré. Notre contrat est de le ramener. Monsieur Cohen, on va avoir la police au cul, on va pas s'embarrasser d'un gosse. Non, je vais le faire ici, on n'en parle plus, on va se planquer, point final. Écoutez-moi, Ted. On a été payé pour faire un job. Conduire ce gosse vivant à Houston. Je n'ai pas l'intention de laisser tomber. Et je finis toujours ce que j'entreprends. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur Cohen. Passez-moi les clés. Ceinture, vous la mettez pas? J'aime cette connerie. Thank you.
Hey, hey. Sale gosse, il a filé. Il n'ira pas loin. Qui a tiré sur ta mère et ton père? Deux hommes. Il y en a un qui est très vieux. Il s'appelle Cohen. L'autre est bien plus jeune. Il s'appelle Tate. Mais où sont-ils? J'en sais rien, j'ai réussi à leur échapper. Je sais pas où ils sont, moi je me suis enfui. D'accord, je vais lancer un avis de recherche. Détends-toi, mon grand. Centrale, ici voiture 22, over. Oui, voiture 22, je vous écoute, over. Centrale, en patrouillant sur la 94 à la hauteur de Paul Valley, j'ai repéré un jeune garçon, il avait l'air perdu, je l'ai pris avec moi. Ses parents auraient été attaqués ce soir par deux tueurs à Muskogee. Il dit s'appeler Travis Knight, over. Apparemment, c'est bien ce garçon. Rejoignez Turner Fall, on se retrouve là-bas, over. Oh, ils sont juste devant. Je reconnais leur voiture. Là, faut partir d'ici, ils sont les tueurs. Tu en es sûr? Mais oui, ils sont dangereux, ils vont nous tuer, non. Monsieur l'officier, je vous le jure. Oh, non, je voulais 80, madame, pas je vous plus. Écris pour quelqu'un d'autre. Excusez-moi, vous pouvez partir. Vous êtes certain? Je peux rentrer chez moi? Mais oui, vous pouvez partir, allez-y. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a aucun. Oh, je m'en vais alors. Je suis désolé. Navré. Au revoir, madame. Bonne route. C'était pas eux.
Oh, oh non, ils sont là! Tonton! Oh, c'est juste à côté! Oh, je t'en supplie, dépêche-toi! Écoute, oh, tu t'es peut-être trompé encore une fois! Ils sont juste derrière! Calme-toi, fiston! Rien ou quoi? On est presque arrivé! Dépêche-toi! Oh, défais-toi! Sinon, il va se tirer. Pas de panique, en douceur. Faites gaffe, sur votre gauche. Oh non. Je vais le bloquer en m'arrêtant devant lui. Doucement, doucement. Attention, il se déporte à gauche. Devant lui. Allez, grouillez-vous. Non, non, non. À nous deux, bonhomme, au moindre geste, je te descends. Si tu ouvres ta petite gueule, ou tu fais un mouvement, je tire. Et à bout portant, t'as compris? Posez-moi cette arme, tête. Et boum! Posez-moi cette arme. Tout de suite! Le policier a lancé un appel radio. Il leur a dit que j'étais avec lui. Ils vont vous courir après, ça c'est sûr. Vous vous débarrassez de ce gosse? Non. Puis s'il a raison, admettons qu'un flic se pointe ou qu'un gus le reconnaisse en passant, nous on est cuits. Le sang-froid n'est pas votre qualité première. Je suis pour les actions rapides, moi. On s'arrête dans un coin tranquille, je lui prends la tête avec mes mains, ça fait juste le bruit d'un petit coup sec et paf, à dégager. Il suffit de le planquer et on disparaît de ce merdier. Auriez-vous oublié ce que j'ai dit? Unissons nos efforts pour le ramener à Houston en un seul morceau. Parce que, au train où ça va, l'un de nous deux restera en route. Oui, Tate. Tu ferais mieux de la boucler. Tu oserais me répéter ce que tu viens de dire? Tout à fait. Ça suffit. Il va pas me donner des ordres, ce moutard, hein? Ferme-la, Tate. Je vais lui casser la gueule à ce petit con. Tate. Vous savez où ils impriment ces merdes qu'ils mettent sur les boîtes d'allumettes? Non, aucune idée. Moi, je le sais. En fait, rien ne m'échappe. Regardez. Ôtez-moi cette boîte de mon visage. Je voulais vous la montrer. Je ne veux rien voir. Vous m'écoutez, alors? Et je ne veux rien écouter. Tant pis, j'avale mon secret. Après ça, mon ventre joue les feux d'artifice.
Je pète. On voit des flammes. Et crée la surprise du bouquet final. Tête. Qui c'est? Les autoroutes texans vous recommandent une conduite amicale, ouais. Vous savez, la dernière chose qui turlupine vachement un insecte qui va s'écraser contre une glace? Son cul. Son cul. Son cul coupé. J'adore cette histoire. Elle est tellement stupide. Monsieur Cohen? Oui. Qui sont ces personnes chez qui vous me conduisez? Des gens de la Pègre. Je les connais pas? Non, tu ne les connais sûrement pas. Pourquoi alors ils veulent discuter avec moi? Les ordres étaient formels. Éliminer tes parents et revenir avec toi. Ils pensent que tu sais des choses. Mais je sais rien du tout. Et tu leur diras. Monsieur Cohen, pourquoi lui donner des informations aussi précises? Ils questionnent. Désolé. Ben voyons. Ça vous dérange pas si je fais un petit somme? Non. J'en peux plus, il faut que je dorme. Bien. S'il y a une emmerde quelconque, me filez un coup de coude. Oui. D'accord. Monsieur Cohen, est-ce qu'il est endormi? On dirait, oui. Monsieur Cohen, il ronfle. Oui. Casse-toi! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mon père, il est vivant. Il va tout leur raconter. Moi, à votre place, bah, je laisserai tomber vite fait, bien fait. C'est ce que tu crois? C'est ce que je pense. C'est ce que tu crois? Oui, c'est ce que je pense. Ah, c'est ce que tu penses. Eh ben, c'est une pensée à la con. Est-ce que tu réalises entre les mains de qui tu es? De tueur professionnel, morveux, on a des flingues. Je descends ce petit con. Il commence vraiment à m'exaspérer avec ses conneries. Et alors, ça change quoi? Il est vraiment l'art de me mettre en rogne. Il n'a fait aucune menace, voyons. J'en sais rien du tout, mais ce foutu gosse me fait perdre la boule. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, bordel? Puis après tout, je me fous de toi. Tête, est-ce qu'il est chargé? Putain, oui. Éloignez-le de mon visage! Désolé. J'ai besoin de pisser. Non, on s'arrête pas. J'ai vraiment besoin. Retiens-toi. Je vais dans la voiture. T'écoute, bordel de merde! Retiens-toi! Je te pisse dessus.
Ouvrez donc la radio, peut-être. Alléluia! J'hésite, je dirais dans les $300. Et je crois en notre Seigneur tout-puissant et miséricordieux. Mais oui, chère madame, vous avez gagné un voyage à Hawaï. Quelques heures après la tuerie de Mushage, et qui a fait, je vous le rappelle, 3 morts, la police en sait plus sur les tueurs. Monsieur Jeff Knight, unique survivant de ce massacre, a pu donner la description de son fils de 9 ans, Travis, qui a été kidnappé. La police fait tout son possible, mais elle invite toute personne susceptible de l'aider dans ses recherches à se faire connaître rapidement. Les deux tueurs sont armés et très dangereux. Un policier de l'Oklahoma a été tué cette nuit d'une balle dans le front. Tout porte à penser que ce meurtre a été commis par eux. Merde! Merde! Ça sent mauvais. Un coup foireux. Cette caisse tiendra pas la distance. Elle roule. Le moteur est trop vieux, elle va nous lâcher, je vous dis. Allez, à pied. Ce Cohen, elle tourne sur 3 pattes, elle va nous larguer en pleine cambrousse, en pleine nuit, en pleine merde. C'est pas une balade d'amoureux qu'on fait. Bon, je crois que t'as intérêt à accélérer. Toi, ne pousse pas à la roue, hein. Tu sais, moi, je crois que les flics, ils savent qui vous êtes. Ils ont dû apprendre des tas de choses depuis quelques heures. Alors moi, à ta place, j'accélérerai. Oh! Saleté de gosse. Je rêve, hein. Y a pas 5 minutes, je me fais engueuler parce que je conduis trop vite. Et maintenant, monsieur fonce comme un malade. La mécanique, ça me connaît. Écoutez-moi, Ted. Vous vous écoutez. Si vous levez pas le pied, je vous jure qu'on est bon pour l'autostop ou la dépanneuse. Comme anonymat, c'est génial. Qu'est-ce que vous croyez? Tout savoir, vous vous prenez pour un expert en mécanique? Mais je vous préviens que... Demi-tour, vite. Chez gosse, vite. Choix. Par terre. Et pas un geste. Allonge-toi au fond et tue la boucle. Parfait. Il y a combien de flics dans le coin? J'en compte 4. Un jeu d'enfant. Dès qu'il va arriver à ma portière, je vais pointer mon arme sur lui. Ça va. Allez, j'ai largement de quoi les bousiller tous avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Faudra faire vite, hein. Pas de problème. Et dégagez d'ici. Attention, le voilà. Bonsoir, monsieur l'agent. Bonsoir. C'est quoi, ça? Oh, mon Dieu. File-moi ton putain de flingue. Allez, magne. Allez. Les revolvers. Donnez-moi l'autre. Doucement. J'ai dit doucement. Lance-le-moi. Ainsi donc, c'est vous, hein. À chacun son travail. Vous vous protégez tant bien que mal le public. Et moi, je fais mon boulot. Et si on discutait... Ferme-la et bouge-nous d'ici tout de suite, connard. Tout de suite. Restez tous les deux contre la voiture. Et ouvrez-nous un passage pour sortir d'ici. Il va nous falloir avancer très très doucement, monsieur. Oui, oui. Très doucement. Allez, on y va. Toi, les mains sur la portière. Parfait, reste comme ça.
Dites-leur de se calmer. Pousse ton cul de là. Oui. Toi, viens ici. Prenez leurs armes. Vos armes. Ça marche bien, monsieur Cohen. Les clés. Les clés de vos voitures. Passez-moi les clés. Toi aussi, file-les-moi vite. Allez-y, vous avez tout. Metteur radio. Débranchez-le et apportez-le-moi. Allez! Fais ce qu'il exige. Poussez-vous. Allez, sur la droite. Sur la droite, là. Bye bye. À toi l'honneur. Tirez-vous ! Joli feu, non ? Faut dégager d'ici au plus vite et prendre des petites routes. Prochaine sortie, à 500 mètres. Allez, vite, 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 tirons-nous. Oh, foireux, c'est un boulot foireux. J'ai su à la minute où on a quitté Houston que rien ne se passerait comme prévu. C'est pas la peine de parler comme ça. Et encore, on n'a pas vu le pire. Mais c'est pas le moment de craquer. Faut changer de voiture. Elle est trop repérable, celle-ci. On n'a qu'à attendre qu'une voiture se pointe. J'irai dire deux mots au conducteur. Un problème, vous êtes en panne? Oh.
Là, on va où? Vers le sud. Alors, bon, où est-elle? Qui ça? Bah, je suis pas voyant, moi, cette carte, où est-elle? T'es mise là? Elle était là. Elle était dans l'autre voiture. Ah oui, je l'ai prise quand on a changé de voiture. Elle doit bien être quelque part. Bordel, mais où elle est? Elle était juste là. Peut-être dans la boîte à gants, regardez. Oui, mais... Sous le siège. Ça va bien derrière? Bordel, je l'ai mise. Poussez-vous! J'essaie de la trouver. Peut-être par terre. Ou sous vos pieds, là. Non, elle est pas là. Eh, fiston, regarde à tes pieds s'il n'y a pas une carte qui traîne. Cherchez-la tout seul. C'est pas vrai! Ça petit con, fais pas d'effort surtout, hein. Merde, quel bordel, on a perdu ce bordel de carte. C'est pas grave, on va demander à quelqu'un. Mais avec un bordel de kidnapping, pas de panique, calme. Oh ta gueule, arrête de me bassiner avec des bordels de panique pas. Jamais de ma vie j'ai paniqué. T'entends, jamais de ma vie. Alors bordel de Dieu, arrête de dire panique pas. Demander à quelqu'un, voilà tout. Dans une station, une ferme du coin. Je trouverai bien. On va s'en sortir. Ils nous courent tous après. Ils vont nous avoir, ils vont nous avoir. Ils ont dû faire nos portraits robots. La radio a dû donner pression. Ouvre la bouche. C'est quoi ça? Je t'ai dit d'ouvrir la bouche, espèce de fils de pute. Cache-moi ça ou je te fais sauter tes poumons. Les mains à plat, monsieur bordel. Qu'est-ce que vous faisiez? C'est ce foutu gosse. Qu'est-ce que vous alliez faire? Je vais vous expliquer. Qu'alliez-vous faire? La bêtise de votre vie. Relax, monsieur Cohen. Alors j'attends. Calmez-vous, monsieur Cohen. Vous alliez tuer ce gosse, avouez-le, un stupide sac de merde. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur Cohen. Je vais vous faire foutre. Il suffit d'appuyer sur la détente et ce retour à Houston deviendra un vrai voyage de rêve. Et je vous en prie, monsieur Cohen, ce retour difficile vaut mieux être de... Foireux. Ce job est foireux. Monsieur Cohen, on arrête tout ça et on s'occupe plus que du retour. Cette foutue journée a été très éprouvante. Nous avons tendance à craquer, je crois. Oui. Ouais. Oui.
Ouais. Oui. Ouais, tout à fait. On va partir d'ici. Monsieur Cohen. Quoi? J'ai vraiment besoin. Monsieur Cohen, Ted qui veut te tuer, tu sais. Tais-toi. Viens. Écoute-moi. Depuis le début, il veut se débarrasser de moi. Je t'aurais prévenu, s'il me tue, il te tuera toi aussi. Tue-le vite, monsieur Cohen. Allez, viens. Direction Houston. Ouais. Attendez-moi. Vous allez. Qu'est-ce que vous regardez? Vous allez bien, monsieur Cohen? Oui, tout à fait bien. Vous avez l'air fatigué, je me trompe? Non, non, ça va. C'est sûr? Sûr. Mieux de prendre le volant. Non, ça va. Passez-moi le volant, vous vous reposerez. Je vais bien.
soyez raisonnable. Vous êtes crevé. Passez-moi le volant quelques heures. Vous pourrez vous détendre. Fermez les yeux. Tout oublier et dormir. Ne vous inquiétez pas, tout le monde sera là. Ne luttez pas contre le sommeil. N'importe quoi, ce morveux! Mais t'as cru que tu pourrais me baiser? Je vais les triper, ce gosse, il n'arrête pas de raconter des bavards! J'ai pointé! Il veut tuer mon fils! Je vais le bousiller, cette espèce de fils de pute, là, il a dépassé les bornes! Je l'ai vu, je te jure! Pour la dernière fois, tête, ça suffit! T'inquiète pas, sale morveux, on se retrouvera bientôt! Arrête! Espèce d'abruti, tu te calmes ou merde ? Ça suffit ! Merde. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. Je leur dirais qu'il a filé, qu'il en a eu assez, qu'il n'en pouvait plus. Je sais pas où il est allé, mais il n'a pas tenu le coup, il a décampé. Pas assez expérimenté. Une grande gueule sans expérience, d'ailleurs j'en étais sûr. Deuxième phase, trouver un coin et m'en débarrasser. On va le trouver. Détends-toi, il n'y a plus de problème. Je leur dirai tout. Dire à qui? À eux. Les personnes à qui tu me ramènes, tiens, ceux qui t'ont payé, Tate et toi, pour faire ce sale travail. Tu leur diras quoi? Je leur dirai que tu as tué Tate.
Bon, écoute. Pas un cri, pas un geste, ou je te jure que j'abats ce type de sang-froid. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Je voudrais le plein. Oui, monsieur. Bonne idée. Je sais. Je sais que tu sais. J'ai dit je sais. Tu veux savoir quelque chose? Non. Et merde, c'est le pneu! Thank you.
tu as vu où il est parti? Alors, Fugger ? Le trouver. Cherche-le! Il doit pas être loin. Enfin, bordel! Cherche-le! Tu le fais exprès! Cherche-le, je te dis! Je t'en prie. Aide-moi.
Monsieur Cohen. Oh, je t'en supplie, lève-toi. Lève-toi. Il arrive, Monsieur Cohen. Lève-toi. C'est Ted qui va nous tuer. Oh non, Monsieur Cohen. Réveille-toi. Anatole, chargé de la surveillance de Houston Sud. Nous venons de repérer le suspect. Il conduit une Plymouth Grand Fury jaune et se dirige vers l'autoroute Ouest I-45. Il arrive à la hauteur de la sortie McKinney. Demandons instruction. Ici Houston, police de l'air. Nous allons intercepter le suspect. Le conducteur de la Plymouth Grand Fury jaune est prié de s'arrêter immédiatement. Je répète, le conducteur de la Plymouth Grand Fury jaune est prié de s'arrêter immédiatement. C'est fichu. T'entends, arrête-toi. Oh, je t'en prie. Je sais que tu tireras pas. T'es bien sûr de toi, sale gosse? Bah, j'ai confiance en toi. Ne me fais pas un numéro de charme. Regarde. Accroche-toi. Neuf ans. Neuf ans. Qui aurait pu croire ça ?